facile. 3 week-ends, 3 semaines. C'est dans le verre. Ok, bah bonjour et bienvenue à tous pour ce énième épisode de The Hunter Primal avec encore et toujours comme objectif de bourriner la tête d'un tyrannosaure. J'ai cherché, j'allais dire triceratops, primal, il y en a deux primal, là-bas. Primal. Un primal si possible, mais bon, quand j'ai vu la vidéo des mecs qui devaient shooter le primal avec le KB50 et qu'ils ont vidé je sais pas combien de chargeurs, je crois qu'on est mal barré. Bref, c'est Draco Célantien et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur la vidéo qui défile actuellement sous vos yeux. Oui, c'est magnifique, c'est magique, c'est YouTube. bonjour Lantien, comment tu vas bien? Tu vas bien, on le sait, parce qu'on tourne les épisodes d'affilée. C'est net. Bref. Donc on était rendu, on était en train de parler de The Serve dans l'épisode suivant, donc si tu sais pas ce que c'est que The Serve et tu dis mais de quoi il parlait, c'est quoi The Serve? Bah t'as qu'à aller voir l'épisode précédent parce que j'ai la flemme de te réexpliquer. Quoique là le fait qu'on va te parler, tu vas peut-être comprendre ce que c'est. Donc on était rendu au nocturne, donc qui pouvait te voir dans le noir, qu'il fallait avoir si possible la vision nocturne pour pouvoir les voir. Parce que si tu les éclairais avec la lumière, ça faisait très mal, parce qu'ils se promènent rarement tout seuls. Donc ensuite vous aurez ce qu'on appelle les behemoths, hein, c'est le nom je pense le plus simple pour l'appeler pour l'instant, parce qu'il n'a pas vraiment de nom. Donc l'espace pour enregistrement de session est presque plein, oui je sais. J'en étais où? Oui, donc le behemoth, qui sera donc tout simplement un monstre gigantesque de plusieurs mètres de haut. Donc pour ceux qui jouent à Fallout, t'as un dino? Si, 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 sur le côté, sur le côté, sur le côté. Ouais, ouais. GG. T-Rex. T-Rex. On est foutu. Il est où? On est en face. Il est où? En face. On est foutu. T'es où? Je le vois pas, il est où? En face, il va, on va se casser. On retourne dans la forêt, on se casse. Ah oui, je vois. Ah, se casse. J'ai le 700, mais je préfère l'attaquer dans la forêt. Ce sera beaucoup mieux. T'as moi qui allais dire qu'en plus, tout à l'heure, en même temps, j'étais en train de penser à ça, en même temps que la vidéo a commencé, qu'on n'avait pas vu de T-Rex depuis, qu'on a dit qu'on a un objectif, c'est de tuer un T-Rex. Putain, si on en a vu un, il a réussi à lui échapper. Toujours Dan. Je l'entends crier. Ouais, on va se casser. Pas du tout. Je crois qu'il y a du fermetor. Je crois pas qu'il rentre dans la forêt. Sinon c'est rare. Il y a un triceratops là qui se promène. Ouais, j'entends de moins en moins, dirait les pas du T-Rex. Ouais. Il a dû se tirer. Je serais bien allé le chasser, mais putain, là les cartouches qu'on va devoir user. T'as rien du tout comme de calibre là. J'ai le 700, j'ai 5 cartouches dessus. Raptor. Ah, saleté. Putain, il me soigne rien ce con. Il est en face ce T-Rex. Hein? Où ça? T'es où? Waouh. Tu vois? Il est pas normal celui-là. Ah sinon c'est Tyrannosaure. Ah c'est une femelle. Tyrannosaure Rex femelle. Il fait 5 tonnes 900 et entre 5 tonnes et 6 tonnes. Il est lourd hein, pour une femelle. 5 tonnes la femelle ou 6. Entre 5 et 6. Oh c'est le poids habituel d'un T-Rex. 5-6 tonnes c'est le poids normal. Ça fait lourd. T'imagines le poignon qu'on sait. Je pensais que les femelles c'était plus légère que les mâles moi au début.
J'ai toujours dit ça. Ah non, 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 non. Dans le règne animal, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est la femelle qui est plus grosse que le mâle. Carrément. Toujours. Ah oui, toujours. Enfin, dans la très grande majorité du règne animal, c'est toujours la femelle qui est plus grosse. Ah ouais. La femelle est toujours plus imposante que le mâle. Ah ouais. Bon, nous on était en train de parler pas de T-Rex mais de The Surf, donc vous aviez les behemoths qui sont de très 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 gros ennemis. Tiens, j'ai un raptor que j'ai tué qui est là-bas. Il est pas en forêt là, sur moi. Non, il marche pas. Ah si, je le vois, il est là-bas. Eh oui, je le vois entre les arbres. Eh oui. Ah, il est en bordure, je le vois là-bas, il bouge. Éventuellement. Recharge. Tu veux le bousiller ? Pour ceux qui regardent mon écran. Non, non, mais non, je vais pas l'avoir d'ici. Et c'est pour montrer pour ceux qui regardent mon écran. Moi, je peux l'avoir de là, il est juste là. Le bousiller, on va se faire massacrer. Et moi, je veux bien. Je veux bien, moi, c'est pas que ça me gêne. J'ai 5 cartouches de 700. Donc 700, c'est la deuxième arme la plus puissante du jeu après le 50. On peut. Mais après, moi, je suis à l'arc. Voilà. Ouais, après, je suis à l'arc. Et rappelle-toi, la dernière fois qu'on a affronté un T-Rex, il a fini en porc épique, mais il était pas très mouru. Hein. Donc moi, je veux bien. C'est pas que ça me gêne. Enfin, juste à récupérer le raptor, par contre. Mais là, apparemment, il rentre pas en forêt, donc il reste sur la... On peut peut-être l'avoir de loin, de là où on est. Hein. Ça peut être une stratégie, s'il rentre pas dans la forêt. Ouais, mais si, ça venir. Peut être une stratégie. Il va venir quand même. Obligatoirement, il vient. Moi je suis bien contente, hein. Franchement c'est l'objectif. Enfin l'objectif c'est un primal, mais un primal faut qu'on soit rang 50, donc voilà. Moi je veux bien. Hein. Je veux qu'on le tente. On le tente quand même. On va tout perdre. Hein. Tout on notre tente. Équipement. Ok, je vais lancer la balle alors. Alors attends, j'essaie d'avoir une vision de mieux. Là, alors attends, est-ce que je peux lancer partie vitaux? Là j'ai sa tête, j'ai son bras, ici j'ai peut-être une angle de vision. Il est parti où? Là-bas. Le cou, ouais, le cou. Sa partie vitale est cachée par un arbre, fait chier. Viens là où je suis, tu l'as, il est bien là où je suis. Attends, dire les vrais chasseurs, c'est les deux gars qui sont là, après chasser. Colido, t'as vu le T-Rex ça va qui est? Oriou, allez. Je te dis, vous êtes un beau trophée qu'on a décroché autour du milieu. Je sais pas pourquoi je prends l'espèce d'accent canadien merdique. C'est pourri. De là où je suis, viens là où je suis. J'ai très bien. Il est parfait l'angle. Il est entre deux arbres, magnifique. Alors là, je peux pas baisser parce que... Voilà, je suis couché. Allez, putain. Arrête de trembler comme une pute. Charentien, ça a été un honneur de faire cette vidéo avec toi. Touché. Ah, je vois ça. Touché. Encore. Je vois. Encore touché. Trop proche. Là c'est en tour de tirer là. Dernière cartouche pour moi. Viens. J'ai plus de cartouches, je suis à l'arc. C'est mort? Bah bien sûr. Merde. Avec son aspirateur à la con là. Essayez de jouer avec l'arbre. C'est
suis en train de le troll, je le troll. Ah c'est bon, droite gauche. Ah non non non, non tu vois enfin, allez, hein. Regarde à droite, regarde à gauche, non je suis là, Allez, Allez. Il t'a buté. Non, il m'a pas bouffé, il m'a écrasé. Ah putain, c'était trop beau, je le trollais, j'étais derrière. J'allais à droite, à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Ah c'est épique. C'était épique. Putain, mais j'ai touché je sais pas combien de fois, j'ai même pas buté, t'as vu le bordel quoi. J'ai juste impossible à buter quoi. Mais on est déjà allé ici, on s'en fiche. Bon, on va essayer d'aller récupérer le matos si on peut. T'es à 900 mètres. J'arrive. Putain, 5 cartouches de 900 quoi, quand même. Ouais, moi j'ai tiré je sais pas combien de cartouches de partout là. Que dalle. Ouais, j'avais pris l'arc, je voulais essayer de tirer, mais je sais que je suis beaucoup plus lent. Donc je préférais essayer de le troll en passant à droite à gauche le temps que tu reviennes. Mais au moins il s'est mis à gueuler. Fait... Ouais, ça c'est quoi, comme ça, en mode aspirateur. Il le fait mieux que moi. Hein. C'est le mode aspirateur. Ouais, il fait mieux que moi, puis après il est passé en mode aspirateur, mais il m'a pas mangé en fait. Ouais. Parce qu'en fait son mode aspirateur il s'est arrêté juste à côté de moi en fait, j'ai réussi à esquiver sa mâchoire, puis après il fait bah, ta gueule. Puis j'ai fini en chiche kebab quoi, tu vois. Bon. C'était après. Ah, dites-moi qu'il y a du 700 là-dedans. Du 700 C'était après qu'on avait cané, hein. C'était après qu'on avait cané de toute façon. Machin c'est juste pas possible limite. Je suis con, moi j'ai pris aucune arme. J'aurais dû prendre la machette. Le mec débile quoi. Ah ouais, je prends rien du tout parce que je suis à bolos. J'ai pas peur de la mort. Scooby-Doo, c'est net. Oh putain, c'est épique. On est rendu à combien? Ouah, on va pouvoir s'arrêter. On va aller chercher notre équipement si on peut. Puis on va s'arrêter là. Hein. Ouais. Bah écoutez, moi ce que je vais déjà vous proposer, c'est... nous je pense qu'on va arrêter la vidéo là, on va aller récupérer notre matos hors ligne, tranquillement pour reprendre plus tard. Tant pis pour le T-Rex, si jamais on arrive à le buter, bah écoutez, on vous mettra la vidéo en bonus quelque part, je sais pas, je vous mettrai peut-être la vidéo en bonus. Bref, sur ce, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, surtout laissez des commentaires, nous c'est ce qui nous intéresse, parce que ce qui nous permet de dire continuez, faites ci, faites ça, est-ce que les choses s'est améliorées, etc. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis. Et donc laissez votre commentaire. Un petit pouce bleu ou un pouce rouge, comme vous voulez, peu importe. Ça, personnellement, j'en ai un petit peu rien à caquer. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes. Donc l'Antien, si vous êtes en train de regarder chez l'Antien. Et la mienne, DracoSensi, si vous êtes chez moi, en train de regarder la vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite un bon voyage sur YouTube. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à faire un tour des différentes chaînes. Il y a tellement de choses à dire, en fait on se répète à chaque fois, c'est ça le problème. On se répète à chaque fois, c'est ça le problème. Vous en foutez, est-ce que vous regardez peut-être un épisode une fois par semaine, je sais pas, parce que moi, ce qui me concerne, je sors un épisode une fois par semaine. Mais moi, voilà, nous on enchaîne les épisodes d'affilée, donc forcément on se répète. À voilà, part, donc sur ce, bah écoute... C'est plus quoi dire, c'est ça le truc, c'est plus quoi dire pour essayer de changer. C'est mort quoi. Bah, sinon on peut le faire comme ça. Wesh, bah écoute mec, t'as regardé la vidéo, donc maintenant c'est simple, tu mets un pouce rouge, tu dis que la vidéo c'était de la merde, et tu t'abonnes même pas à la chaîne, et t'étais abonné, bah tu te désabonnes, voilà. Faut pas que tu le fasses, hein, ce que j'ai dit, mais c'est pour changer un petit peu, tu vois. Mec, qui est débile jusqu'au bout. Bah, sur ce, comme d'habitude, je laisse à l'Antien le dernier mot, parce que c'est moi qui ouvre la marche à chaque fois. Ouais. Il n'y a plus rien à dire. Non mais c'est clair, c'est net. Non mais en fait, je me répète, ouais, c'est ça le truc. C'est n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce qu'on a loupé ou ce qu'on n'a pas loupé. Enfin, j'en sais rien. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes, que ce soit sur Hunter Primal ou même sur Rebel Galaxy, selon ce que vous voulez regarder, ou d'autres jeux, selon ce que vous regardez. On a quand même un
un large spectre. On a même The Forest, on a un peu de tout. Pour l'instant, voilà. Il est pas très large, hein. Ça s'améliore au fur et à mesure, mais voilà. On a quand même beaucoup de let's play en cours, hein. Je suis désolé, mais on a beaucoup de let's play. Voilà, on a beaucoup de let's play. The Forest, mais Interprimal, ouais. bordel, encore un autre bordel. Attends, on a quoi, Anna? Pour toi, donc bon, toi t'as Rebel Galaxy, parce que toi tu fais un jeu par jeu, parce que toi t'es intelligent, t'es pas comme moi. Donc toi t'as juste Rebel Galaxy et Hunter et The Forest, voilà. Ouais. Moi de mon côté j'ai Hunter, The Forest, Blood Rain, Fallout 4, plus ceux que j'ai pour l'instant que j'ai mis de côté, c'est-à-dire Jericho. Une bestiole qui me comprend. Jericho, Brutal Legend, qui est sur lequel j'ai des problèmes de droit d'auteur dessus, parce que c'est un jeu qui parle beaucoup de musique. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Ah, puis aussi, je crois que j'ai une bestiole qui me court après. Oh, c'est une petite. Ah, aussi, je voulais vous dire, vous avez le lien pour la page Facebook, si ça vous intéresse. Voilà. Sur ce bye-bye. Mais lâche-moi le petit schtroumpf là. Ah!